D'où te vient l'idée de Yulzhou? Moi, en fait, j'avais pour ambition avec mes potes de partir en vacances à Barcelone. Et là, bam, problème, on n'a pas les thunes. Qu'est-ce qu'on se dit? Ben, on va bosser comme tout le monde. On commence à chercher des jobs à droite, à gauche, et on trouve pas. C'est complètement fou, tu vois. Genre, on se dit, il y a des mecs qui veulent des gens pour travailler, et nous, on trouve pas. Et là, je me dis, bah, il y a peut-être un truc à faire, montrer que c'est légal, et mettre en relation jeunes et employeurs. Expliquez le processus de la création de jobs. Du coup, dans le premier temps, il y a un constat. Donc là, il y a une solution à apporter. Donc là, l'été, vu que j'ai pas de job et je peux pas partir à Barcelone, je me dis, bah, je vais faire le premier site de mise en relation pour les 16-18 ans. Donc déjà, faire des recherches, regarder si c'est légal, puisque tout le monde dira qu'à l'époque, non, mais c'est n'importe quoi, embaucher un mineur, c'est pas possible. Et si, en fait. Et en plus, c'est pas compliqué. Une fois que c'est fait, ben, je me suis mis à créer un site sans base de code, rien du tout. Et à base de tutos, ça m'a pris 3-4 mois. Et en avril, je lance la première version de Doomjob qui est très médiatisée. On fait un parisien et derrière, on explose. On a plusieurs médias qui nous permettent aujourd'hui de vivre correctement. Qu'est-ce que ça t'a apporté, Doomjob? Plein d'expériences. J'ai pu faire des choses que j'aurais jamais pu faire. J'ai rencontré des gens incroyables, j'ai pu voir des personnalités, notamment Valérie Pécresse, là je travaille avec Gabriel Attal. J'ai vu des gens qui sont connus dans le milieu de l'entrepreneuriat, comme Éric Larchevêque. Je n'avais pas du tout l'habitude de cet exercice, maintenant aujourd'hui c'est vrai que je suis plus à l'aise. S'exprimer à l'oral, ce n'est pas du tout un souci. Et voilà, donc plein d'expériences en fait, dans tous les secteurs. J'ai pu rencontrer des gens qui n'ont aucun rapport avec ce que je fais, des rappeurs. Des collaborations avec d'autres entreprises, enfin, plein de choses. Tchou.